L'histoire, elle a commencé en privé. Et quand il m'a été trouvé les autres qu'on m'a traité de pédophile, moi, j'en avais rien à foutre après une semaine. Mais le problème, c'est qu'on s'est attaqué à Rocky. Et alors là, j'ai défendu Rocky. Parce que si c'était moi, je n'aurais même pas répondu à des gens que je connais pas de pédophile. J'en avais rien à foutre. Moi, je sais bien que j'ai rien à me reprocher de ce côté-là. Donc, j'avais même pas à leur répondre à des inconnus qui ont fait leur buzz. Moi, je voulais même pas aller sur tes lives et tout ça. C'est parce qu'il y avait Rocky. Et j'ai commencé à défendre Rocky. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai joué juste à Rocky, parce que moi, j'aurais même pas répondu à ces gens-là, et j'aurais même pas été sur tes lives pour en débattre, moi. Des cons qui me traitent depuis des années, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Et de toute façon, il y a personne qui les croit, ça tombe à l'eau. C'est pas la première fois qu'on me fait des saloperies comme ça, et j'en ai rien à foutre. J'aurais même pas dû leur répondre, je leur ai toujours dit, je leur ai fait de la pub pour rien. Ben voilà, il y a que ça à dire. Et voilà. Bon, j'ai regardé un film, je commence à en avoir marre, des histoires pour une dispute en privé, que ça tourne mal, et je n'en peux rien, moi, si les autres se sont attaqués à Rocky. Et c'est là que j'ai commencé à me fâcher, parce qu'ils s'étaient attaqués à Rocky, ou sinon, j'aurais même pas été plus loin que 4-5 vidéos pour leur répondre. Et encore, moi, je voulais attaquer beaucoup avant qu'on m'attaque. Mais c'est Rocky qui m'a dit de ne pas le faire, et sa femme, et si j'aurais su, avec les propos que Zarbi avait de bizarre sur Rocky et sa femme, j'aurais dû le faire. Allez, à plus tard.